Bienvenue sur Ben et Ron. Lui c'est Ben. Et lui c'est Ron. Pour notre premier projet sur YouTube, on s'est inspiré d'une idée américaine, de la chaîne Jubilé, et on est trop fiers de vous présenter ce genre de format aujourd'hui en France. Le but est de jouer avec nos différences, de rire ensemble et de déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir. On ne veut pas créer de tension, au contraire, on veut faire passer un beau message, de montrer qu'on est tous les mêmes, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle. Les candidats se sont éclatés sur le tournage, on a super rigolé et on espère que vous aussi, en les regardant jouer. On vous explique les règles. On a réuni 7 personnes qui vont toutes prétendre être tatouées. Parmi elles, une main. Si l'intrus se fait éliminer, les candidats encore en jeu se partagent le cash prize. Sinon, tout l'argent ira à l'intrus. Dans cet épisode, on a réuni 7 personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais vues. Parmi elles, 6 sont tatouées et une ne l'est pas. Pour y arriver, les candidats ont carte blanche. Aucun sujet n'est tabou. Alors, cherchez l'intrus. Je suis tatoué. Finalement, Kim, ouais, je pensais à toi. Moi. Tu as quel âge ? 22 ans. 22 ans ? Ouais. Et t'es déjà tatoué à cet âge-là ? Bah oui. Oh là là, c'est terrible quand même ça. Il y a des précoces. Il n'y a pas d'âge pour se faire tatouer. Hein. Ouais, 18, ouais, non, à partir de 18 ans. Mais oui, c'est où ton tatouage ? Pourquoi moi ? Genre en direct. Mais ils sont cachés, nous. Regarde, et toi, il s'est caché aussi. Bah, on est. Non, mais ouais, il est où ton tatouage ? Sur mes deux bras. Ok. T'as pas une tête à être tatouée, toi ? Pourquoi il y a des têtes à être tatouées ? Ouais, je crois. Ouais. En vrai, les apparences sont trompeuses. Hein. Ouais. Il est où ton tatouage ? Moi ? Ouais. J'ai pas besoin d'être tatoué. Moi, à mon avis, les oui, c'est sous son bonnet, moi. Il a fait la tête, tu sais, il a fait la terre sur la tête. Et Tony, qu'est-ce qu'il en pense ? Ah, bah si tu savais. Si tu savais. Ça intéresse personne. Il a vécu la guerre. Voilà. Si tu savais. Il a vécu la guerre. Mm. Wow. C'était en 42. Ouais, puis pendant la guerre, il se faisait tatouer les gens. Hein. Ouais, il se faisait tatouer. Ouais, hein, sérieux, oui, oui. Alors, j'ai une question, ouais. Tony. J'ai une question. Oui. C'était vrai cheveux ? Je n'osais pas franchement le dire aussi, je me posais la question. Mais bah, si c'était vrai. Vous verrez tout à l'heure. Voilà. Parce que peut-être que ça cache quelque chose. Ah, peut-être. Un tatouage, hein. Ou une calvitie. C'est dur. Ah, peut-être. Hein. Est-ce que pour vous, un tatouage, ça doit forcément avoir genre. Signification ? Ouais, une signification. Ah non, moi, pas du tout. Ouais, les mails, ils n'ont aucune signification. Ça m'étonne. C'est ton tribal, ça n'a pas beaucoup de signification. Qui c'est qui a déjà pensé enlever ses tatouages ? Je les ai fait récemment, donc j'espère pas. Ah, tu les regretter. Ah, d'accord. Et toi, tu penses qu'il faut que ça ait une signification ? Pour l'instant, non, peut-être pas. Je réponds à ma propre question. En vrai, je pense que ça a une signification dans le sens où dès que t'en fais un, déjà, il faut que ça ait une importance esthétique, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, à moins que tu veuilles un vieux truc. Un vieux truc. Qui ressemble à rien. Ouais, qui ressemble à rien, quoi. C'était quand le premier tatouage que vous avez fait ? Il y a combien de temps ? 3 ans. À peu près pareil, 3-4 ans. Moi, 2 ans. Moi, il y a un peu plus de. Ouais, un peu plus que ça quand même. Bon. Toi, il y a bien 45 ans, toi. Oui, oui, oui. C'est bon. Moi, je crois qu'à la naissance. Bon. Il y a quelques semaines, c'était pour mon anniversaire. Le premier ? Ah, bravo. Okay. C'est un cadeau. Ah, c'est plus qu'un cadeau, je pense. Il est où le tatouage que t'as et c'est quoi ? Sur le bas du corps. Mais c'est quoi, du coup ? Du coup, t'en as ou t'en as pas ? Parce que t'avais l'air de dire que t'en avais pas à cause de... Jean-Claude. Ouais, mais bon, quand c'est sur les pieds, ça se voit pas. Okay. Ah, sur les pieds. Voilà. Et du coup, c'était quoi ? Ah, bah ça... Donc tant que ça se voit pas... Et c'est quoi ton métier ? Comédien. Comédien. T'as eu mal sur les pieds ? Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est un truc con que t'as sur les pieds, je suis sûr. Ouais. Ah, moi aussi. Je l'ai fait moi-même. Ah, d'accord. Ok, mais c'est un truc con quand même. Ah oui, c'est très con. Il a pas une tête à faire des trucs intelligents de façon. Oh, je plaisante. Avec tout l'amour du monde, bien sûr. Et Tony, toi, par contre. Oui, qu'est-ce qui se passe ? T'as fait des tatouages il y a longtemps ou... Oui. Ouais. Oui. Un peu dans la jeunesse ? Voilà. Voilà. Exactement. Erreur de jeunesse ou c'est pas regretté du tout ? Maintenant, c'est regretté. Ah ouais ? Ah ouais. Et tu veux pas te les faire enlever ? C'est plus crado, des fois. Ouais, c'est pas... Après, c'est pire. En fait, t'as un tatouage couleur chair, une grosse cicatrice couleur chair, donc c'est un peu rien, quoi. Et il est où, du coup ? Sur un bras. Ah, t'as plus qu'à mettre des pulls tous les jours, après. Hein. Ah, bah, tu le verras tout à l'heure. C'est un tribal, normalement. Non, mais c'est un truc qui était à la mode et qui l'est plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Il a le signe infini. C'est genre un pistolet de love, non ? Il a le signe infini sur le poignet. Je l'ai vu. Ah, il a été recouvert. Ok. Arrêtez de cette époque.
Ah ouais, c'était l'époque. C'était le bon vieux temps, tu vois. Wesh. Ça devait se mettre bien à l'époque. Hein. C'était le bon vieux temps, le rock'n'roll. Et j'étais pas convaincu de mon vote, mais il fallait éliminer quelqu'un. Et je savais pas encore qui c'était. Tout le monde allait voter Jean-Claude et il fallait bien éliminer des gens, donc... Hop, Jean-Claude, élimination. Bam. Oh, comme si on s'y attendait. Non, mais c'est pas possible, non, franchement. Mais vous êtes tous nuls. Salut. Salut. Bah moi, à mon avis, j'ai manqué de stratégie. J'ai fait un peu l'inverse. J'ai voulu faire croire aux gens que... En fin de compte, qu'ils se mettent dans la tête que j'étais pas tatoué. Donc j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû les persuader que j'étais tatoué finalement. Ouais, je suis sûr qu'on emmène en bateau, il n'y en a aucun qui est tatoué là. Oh, ah non, merci, c'est l'inverse. Bah non, parce que c'est 6 tatoués et 1 non tatoué. Et du coup, c'est quoi votre pire expérience tatou? C'est pas celui qu'on m'a mis, c'est celui qu'on m'a enlevé. Ouais. On t'en a enlevé un déjà? Ouais. Depuis Saint-Neuve là? Non, tu l'as recouvert. Mais est-ce que quand t'es tatoué et qu'on t'a détatoué, tu comptes comme un tatoué ou tu comptes comme un non-tatoué? Ah ah. Bah je pense à un non-tatoué du coup, parce qu'il est plus tatoué, il a plus d'angle sur la peau. Ouais, compte comme un détatoué. T'as juste cicatrisé. T'es plus tatoué quoi. Parce que là, ça se trouve, il est en train de nous berner comme il faut. Ouais. Bah, du coup, pour répondre à ta question, bah, du coup, une dingue que je regrette déjà, c'est fait il y a 3 mois. Ah. J'étais en soirée bourré. Ah. Et du coup, il y avait un stand de stick and poke du coup. Mm-hmm. J'ai fait une clé Gibson. Et du coup, c'était un peu un choix comme ça. Genre. Ouais, ça n'a pas de signification, ouais. Enfin, c'est un peu random. Bah non, mais j'aime bien, mais du coup, c'est... Ouais, ok. Et du coup, vous avez quoi? C'est quoi vos tatouages, alors, du coup? Dentition, Vous avez des dents, origine. Ouais. Origine, c'est-à-dire? Bah, les origines. Enfin, d'où mes origines, quoi. Ah, okay, d'où okay. Je viens. Arme blanche, à fond. Ok. Dit comme ça, c'est un peu nul, mais... Bah, dis-moi un de tes tatouages que t'as. Mes dents. Donc, avec mon diastème. Ok. Donc, les dents du bonheur. Avant d'avoir eu un appareil dentaire. T'es de septième aussi. Ok. Appareil dentaire. Ouais, je l'ai eu tard en plus. Je vais pas tarder en plus à en prendre. Donc, Ouais, tu mérites tard. Mais c'est quoi le plus cher que vous avez? 230. Ah, mais c'est cher quand même. Ouais. Mais c'était un dessin, enfin, elle a fait le dessin et tout, donc en vrai, c'était pas. Toi, tu dois en avoir un bien cher. T'es sûr? Je pense. Ouais. Ouais, si c'est un cadeau d'anniversaire et tout. Non, c'est un cadeau d'anniversaire et tout, c'est y a moyen. C'est mal me connaître. Ah ouais? C'est un truc sur les mangas, c'est sûr. Non. Ah, t'étais presque. Hein. Mais... Presque. C'est sur un jeu vidéo. Okay. Il y en a un, c'est sur un jeu vidéo, il y en a un autre, c'est plus sentimental. Enfin, les deux en soi, ils sont sentimentaux, mais... Sentimentaux, du coup. Sentimentaux. Mais toi, du coup, je veux bien savoir aussi. J'en ai 5. Du coup, j'en ai un, c'est un clé Gibson. Ouais. Ensuite, là, j'ai un cadre du Kaiserring. Je sais pas si vous voyez, celui avec... Kaiserring, c'est... Le cœur, ah, okay, oui. Celui qui part. Ouais, okay. Là, j'ai écrit 10 minutes nothing. Okay. Et là, j'ai un éclair. Ok. Donc, je comprends. Et j'ai un œil aussi. Je comprends mieux pourquoi il dit que ça n'a pas besoin d'avoir de sens quand même. Ouais, il n'a pas trop de sens du tout. Mais pour du coup, tu n'avais pas répondu à la question, du coup, c'est quoi le plus cher? Et c'est quoi les beaux tatouages en général? Moi, j'ai payé le pire, c'était 250 du coup. Faut que je dise tous ceux que j'ai. Non, mais dis-en, au moins 3. Bah là, j'ai mes dents, là, j'ai un kunai, là, j'ai un coupe-chou, là, j'ai un couteau papillon, là, j'ai le drapeau de l'Angleterre, j'ai le drapeau du Bénin, j'ai écrit roux sur les pieds, et là, j'ai plein d'inscriptions en typographie. Le kunai, c'est référence à un manga, du coup? Même pas, c'est référence à l'équilibre. Mais à chaque fois, on me dit, ouais... T'es fan de Naruto? Ouais, c'est ce que je me dis. Absolument pas. Je suis pas du tout dans les mangas. Moi, du coup, c'est 2 fleurs de pivoine pour ma maman. Et des framboises pour mes grands-parents. C'est un sens significatif, mais en vrai, je pense en faire plus tard qui n'ont pas de sens et qui sont juste esthétiques. C'est lequel le plus cher? Le plus cher, c'était les fleurs. Parce que les framboises, je les ai fait en Espagne, ouais. C'est en mode réaliste, un peu, ou... C'est un dessin que j'ai fait moi, en fait, donc pas vraiment. Donc. Attends, mais du coup, il est grand, celui à 250? Bon, il est comme ça, quand même. Et toi, du coup, Tony, ils sont où, les tiens? Et c'est quoi? Bras. Et c'est un dessin animé. Lequel? Mais du coup, c'est quoi? Bon, c'est un dessin animé, vous le verrez après. Pourquoi tu veux pas nous dire? Parce que ça se trouve, il y en a pas. Mais t'en as qu'un seul? Non, j'en ai 2 et un qui est parti. Mais non, mais celui qui reste, du coup, il te reste un? Non, il en reste 2. Il t'en reste 2 et du coup, ils sont où? Le bras. Mais quel bras? Les 2.
Il y en a un sur chaque bras. Il y a un bras et une poignée, un poignet plutôt. Et toi, du coup, vu qu'il reste pas beaucoup de temps? Le plus cher, 800. Ah oui. Il est où? Là. La signification, c'est la vie, la mort, et en gros, essayer de faire un truc qui me permet de m'élever, on va dire. D'accord. Essayer de retranscrire quelque chose. Et, voilà. Et du coup, ça s'écrit comment, Tony? T-O-N-2-I. Ok, parfait. Merci. Je dois te tonner parce que ça me semblait être un choix logique par rapport à ce qu'il disait. Comme par hasard. Un peu étonné. Au revoir Tony. On se revoit ce soir. Je n'ai pas été assez précis par rapport à ce que j'avais comme tatouage sur moi. J'ai laissé planer le doute. Bah, honnêtement, je pense que c'est Jean-Claude. Je vais pas te le cacher, mais moi je crois que la vie fait le moine, donc ouais, Jean-Claude. Non, moi je parle pas de... Moi je pense pas que c'est par rapport au fait qu'il a pas une tête à être tatouée, c'est plus par rapport aux réponses qu'il a citées. Moi je dirais, je pense que ouais. Et Tony, ça m'étonne qu'il soit éliminé. Mais... Quand on lui a demandé c'était où ses tatouages, il a pas répondu, ni c'était quoi. Donc, oui. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de secret. Ouais. Peut-être qu'il avait pas besoin de le dire, je sais pas. Moi, je pense que perso, quand t'arrives menteur, tu sais exactement ce que tu vas dire. Enfin, pour moi, ça me paraît trop facile de « Ah, il a oublié parce qu'il en a pas. » Non, mais des fois, t'as pas envie de le dévoiler, genre, vraiment. Il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il y avait deux tatouages et a fini par dire qu'elle en avait cinq. Oh. J'ai pas dit que j'en avais cinq. Il a dit une personne. Elle. Pardon. Moi, j'ai toujours dit cinq. Je pense que tu parles de moi, parce qu'il y a que moi qui ai dit que j'en avais cinq. Mais je peux te demander. Moi, je suis là pour défendre mes trucs. Moi, j'ai toujours dit que j'en ai 5 et je peux te dire où exactement où est-ce qu'ils sont. Vas-y, déshabille-toi. Ok. Non, mais je vais pas les montrer, sinon c'est plus du jeu. Ah, c'était retour. C'est comme ça. Du coup, j'ai un œil là. J'ai une clé égyptienne là. Ouais. Ensuite, j'ai un cadre de Kaysar. Elle ouvre quoi cette clé? C'est une clé égyptienne. Voilà. Elle n'existe pas. De quoi il existe? Le mec montagnique, c'est pas de mal. Et j'ai un cadre avec écrit Kaysaring, enfin de Kaysaring. Là, j'ai écrit This means nothing, et là, j'ai un éclair. C'est précis. Et... Un éclair de génie? On l'élimine, lui. Je vais être franc, à mon avis, je pense que t'es sincère. Je pense aussi, ouais. Tu m'as l'air très innocent, en fait, c'est surtout ça. Moi, j'ai dit précisément mes tatouages, du coup, j'attends votre tour. Vous voulez les détails? Vas-y, à toi. On le fait, on va faire les détails. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai un tatouage sur l'épaule dû à un jeu vidéo. Mais exactement quoi, où est la taille? C'est la taille, moi, je fais juste tout mon deltoïde. Okay. Mais c'est quoi dedans? C'est quel jeu vidéo? God of War. Je suis un très grand fan de chier, c'est obligé. Et en fait, c'est... j'avais dit sentimentalement parlant, et ce qui est vrai, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre moi et mon père, en fait. Je me suis inspiré de ça. C'est vrai que j'aime beaucoup mon père, s'il regarde... Moi aussi, j'aime bien. Par contre, là où j'ai sur le pec, justement, j'avais dit que c'était une inscription en arabe, bah, c'est mon prénom, Younes, tout simplement. Ok. D'où c'est mon père qui m'a donné ce prénom. Donc, voilà, je fais un bisou à mon papa, ici présent. Je peux lui en faire. Non, tu pourras d'accord. Pas, il va te taper. Ouais, je vais faire. Attends, Terence, il a pas parlé. Terence? Ouais. J'ai un serpent qui prend tout le bras. Plus. Je sais plus déjà. Il y en a trop. J'ai mon portrait ici. J'aurais aimé te défendre. Je vote Lewis parce que je pense qu'il parle un peu trop et que c'est un peu suspect. Et il a dit qu'il était mannequin, donc logiquement, ça va pas forcément ensemble. C'est le moment où je pensais qu'il y avait pas mal de voix contre moi. Du coup, j'ai voulu jouer stratégique et voter pour Terence. Je me suis dit que j'allais peut-être faire pencher la balance. Je vous parle pas, vous. C'était pas mérité. Je suis désolé, frère. Bye. Je pense que j'ai été éliminé parce que j'ai pas donné assez de détails sur mes tatouages, etc. J'ai posé beaucoup de questions, mais du coup, j'ai pas eu le temps de répondre moi-même à ces questions. Voilà. Personne ne s'est suivi. Moi, j'ai pas levé la main parce que je pense que j'ai un doute sur toi, Kim, du coup. Oh, ok. Sur le prix de ton tatouage, t'as payé vraiment 250 euros? 240. Ouais. 240. Mais
Après, en vrai, c'était mon premier tatouage. Je pense que je suis allée dans un salon qui était un peu trop cher. Blablabla, c'est pas intéressant. Non. T'es horrible. Ouais, c'est juste... j'aime interagir avec les gens, j'aime aller chercher, j'aime aller titiller au fond des êtres, des âmes, quoi. J'ai envie de voir les gens comme ils sont vraiment. J'ai pas envie de voir une couverture, j'ai envie de voir quelqu'un... une vraie personne. J'ai envie d'aller communiquer avec les vraies personnes. Non, mais c'est par rapport à la taille, en fait. Ouais, je comprends. Moi, je pense que je l'ai payé trop cher aussi, mais je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Après, pour sa défense, les premiers tatouages, tu les payes toujours un peu plus cher que les autres. Mais je pense quand même que c'est elle aussi. Moi, j'ai un doute sur toi depuis le début. Pourquoi? J'ai l'impression... Je suis trop sociable. Non, même pas. Non, mais même pas. Non, mais j'ai l'impression que c'est... Par rapport au mannequinat, déjà, ça peut être une... Enfin, ouais. Une excuse, non, mais une explication. Bah, dans le mannequinat, si tu veux, la réalité, c'est que t'as pas le droit au... Enfin, dans le mannequinat, genre Miss France. Oui, ouais, bah oui, évidemment. T'as pas le droit au tatouage de plus gros qu'une pièce de 2 euros, tu vois. Ouais. Voilà, oui, après maintenant, c'est vrai que... Ils peuvent se faire tatouer, mais... C'est vrai qu'en général, c'est pas facile de trouver de l'emploi aussi quand on est tatoué en tant que mannequinat, mais c'est vrai que dans les profils atypiques... Bah ouais, moi je suis signé en tant que ça. Mais je peux... Ouais, non, mais je peux l'entendre aussi. Mais je sais pas, j'ai un doute sur toi par rapport... Je trouve que c'est trop précis, trop... Je sais pas, c'est un feeling en vrai, j'ai pas de... Ouais, y'a pas de soucis. Ok. Si t'as un doute sur moi, pourquoi t'as levé la main tout à l'heure? Je sais pas, j'avais envie de lever la main pour finir le truc. Ok. Parce que je pense que c'est Jean-Claude quand même, mais bon, qu'il reste du temps. Ok, ok, ok. Je pense que c'est aussi Jean-Claude. Ok. Passenger. Bon courage. Franchement, j'étais étonné, tu vois. Je pensais qu'on était devenus amis, on avait fait une petite... on avait créé des liens. On allait passer Noël ensemble. Et le gars, il me met un couteau dans le dos, quoi. Franchement, j'en ai souffert, j'en souffre encore. Là, c'est un bon joueur. Ils sont très très bien sortis sur ce coup-là. C'est un bon manipulateur. J'ai voté pour toi du début jusqu'à la fin. Oh, le seum, les gars. Tu me l'as mise comme ça? Ok. Ah ouais, je mets ça à tout le monde. Ouais, t'as raison. Je suis intermittent, forcément. C'était un peu le but. Je m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment portée sur Lewis tout le temps. En vrai, je m'attendais à ce que ça soit plus difficile. Un petit comme ça, on va me tuer. Mais j'avais promis que j'allais gagner, donc chose faite. Mission accomplie. Alors, puis moi, pour répondre à Terence par rapport à tout à l'heure, oui, effectivement, j'ai pas de cheveux. Ok, c'est bien ce que je pensais. Salut, voilà. Respect. Bravo. Mais pas de tatouage. On applaudit quoi, là? On applaudit les non-cheveux ou on applaudit ta personne? L'absence de cheveux. Voilà, j'aime plusieurs couleurs. Et puis j'ai du noir ici, et là, c'est du noir et blanc pour Abressel, pour faire comme la petite... Il n'y a pas rien. C'est pareil, c'est la même couleur. Bien joué. Bravo, quand même. Ben moi, le premier, je l'ai fait à 13 ans, tout seul, avec une aiguille et puis de l'angle de Chine. Donc voilà, il est ici, sur le bras. Du reste, c'est marqué 13. Hein? Voilà. Sinon, après, ben, c'est des petites conneries, quoi. J'ai fait une bague parce que je me suis dit qu'un jour, je vais me marier, mais finalement, je ne me suis jamais marié, donc elle n'est pas cachée. Et sinon, ben, j'en ai un autre ici aussi, qui a un cœur, donc c'est une... Voilà. Tatouage, pour moi, c'est une manière de retranscrire... chose que tu as vécu, une émotion que tu as envie de transmettre. Ça. J'ai un serpent, c'est pas encore fini, mais j'ai un serpent qui va jusqu'ici et qui représente la résurrection, se renouveler, tous ces trucs-là. Et, ici, le visage de Spider-Man, qui peut sembler anodin, mais c'est juste que pour moi, c'est quelque chose qui représente l'espoir, etc. Ça, c'est un petit tatouage par rapport à ma maman, c'est ses fleurs préférées. Et là, il y a marqué « Maman en morse ». Et les framboises, c'est pour mes grands-parents, puisque une pour chacun de mes grands-parents. J'ai un œil qui est là, donc c'était aussi Kenpoke, en soirée techno. Et ensuite, j'ai Kaisa Ring. Et là, j'ai écrit « This means nothing », parce que pour moi, les tatouages, c'est juste pour le fun, et que ça n'a pas tellement de signification. Ouais, au final, c'est pas parce que t'as une tête comme ci, comme ça, un style ou autre chose de poussé que t'es forcément tatoué ou que tu ne l'es pas. Voilà. C'est quelque chose qui est très
personnel et intime au final, le tatouage. Donc ça se voit pas forcément sur les têtes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, enfin, faites ce que vous voulez. On attend vraiment vos retours. Vous l'aurez compris, notre but c'est de rire tous ensemble et de déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut avoir, quelles que soient nos différences. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Sinon, d'ici là, s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et on vous laisse tout de suite un indice pour le thème du prochain épisode, juste ici.